bien. Je ne peux que féliciter M. le maire, le conseil général, tous les élus, les présidents et bien sûr le club Moana d'avoir créé cette réserve sous-marine. Voilà 20 ans que je fais partout dans le monde qu'il faut faire ça pour l'avenir. J'ai eu très peur quand j'ai voyagé pendant 40 ans sur la Calypso et que je revenais vers Marseille et je voyais que les mérous avaient disparu. Les raies avaient disparu, les roussettes avaient disparu, et bien d'autres. J'avais de la peine, j'ai dit alors, mes enfants, mes petits-enfants n'ont pas le droit de voir tout ça. Jusqu'au jour où, en Australie, en Nouvelle-Zélande, aux États-Unis, et puis plus près, à Banyuls, ça a été une des premières réserves marines, ainsi que bien sûr Porto, c'est vraiment le sommet, il a été compté cette année plus de 600 mérous. Scandola en Corse, 600 mérous, Gravette, 600 mérous. Bon, je parle du mérou parce que c'est le plus gros, mais il y a les dindes, il y a les pagres, toute la suite de ces très beaux poissons. Et ce qu'ils vont vous dire, c'est que cette année encore, j'ai plongé à Scandola parce que je suis admis dans la réserve marine. Tout le monde sait, prenez ma bataille pour les réserves, donc je suis accepté pour faire de temps en temps une petite plongée de demi-heure, trois quarts d'heure dans la réserve de Scandola, où il y a des nouveaux mérous, les mérous royaux, que j'ai filmés, vous allez peut-être les voir tout à l'heure. Et cette année, à 80 km de là, j'ai pu dire aux gardes, mais Jean-Marie, il y a les mêmes mérous 80 km plus loin. Eh bien, c'est grâce à la réserve de Scandola qu'il y a ces nouveaux mérous. Mais pourquoi c'est pareil? Pourquoi des 600 mérous chaque année comptent des milliards d'œufs qui s'en vont au courant avec le courant ligure dans l'est et dans l'ouest, et à Marseille, nous recevons plein de mérous. Malheureusement, souvent, ils ne restent pas longtemps vivants. Et c'est ça que je suis triste, parce que si on avait créé ces petites réserves comme ici, eh bien, nous aurions ces poissons qui vivent en paix. Il faut les laisser vivre en paix. Les hommes, c'est pareil. S'ils vivent en paix, qu'est-ce qu'ils font? Bien, ils procréent, ils ont un certain nombre d'enfants autour d'eux. Et peu importe. Et c'est ça les réserves marines. Laisser les poissons vivre en paix, les laisser grossir, vivre leur vie. Et quand c'est comme ça, eh bien, autour, on retrouve. Ça marche ou quoi? Parce que j'entends pas. Alors, très bien, ça va. Voilà, si on laisse les poissons tranquilles, ils grossissent. Et voilà, pour vous donner une idée, un poisson de 5-6 kilos, eh bien, il faut 200 poissons d'un kilo pour pondre autant que le poisson de 5-6 kilos. Il faut avoir ces poissons en réserve. Et puis, comme je l'explique aux pêcheurs souvent, parce que pour eux, bien sûr, c'est leur vie, c'est leur portefeuille, je leur dis, écoutez, vous avez une caisse d'épargne à la maison. Bon, vous laissez là ce capital en paix et vous mangez les intérêts. Et bien, pour la mer, il faut faire quoi? Et ça marche très bien. Dans le monde entier, c'est comme ça. Et ici, à Cannes, croyez-moi que dans 5 ans, eh bien, vous serez surpris des poissons qui se trouvent là et qui vivent en paix grâce à vous. Bravo à tous. Félicitations. Avant de passer la parole aux députés et vice-président du Conseil général et le maire concurrent, je voudrais saluer justement Christophe Serre qui nous a facilité largement l'organisation de la plongée sur la zone, et Stéphane Elliott. Stéphane Elliott, avant que la zone marine ne soit créée, avait déjà obtenu une double page sur Nice Matin pour montrer la valeur biologique des fonds sableux là-bas. Parce que ce que beaucoup de personnes d'entre vous, enfin pas pour les plongeurs, pour les non-plongeurs, ne savent pas, c'est qu'il y a une biodiversité aussi très très importante sur les fonds sableux. Il y a d'un côté effectivement sur les fonds rocheux et l'herbier de Posidonie, mais de nuit, Stéphane a été l'un des premiers observateurs du Tétis. Vous savez, c'est un terme qu'on utilisait autrefois. On avait comme ça des références, des personnages, on disait « bienfaiteur de l'humanité ». Et puis bizarrement, ça a disparu. Comme si on avait peur du mot « bienfaiteur » et du mot « humanité ». Je pense que le commandant Cousteau a été un bienfaiteur de l'humanité. Dans la mesure où la prise de conscience qui a été la sienne, et pour les générations comme la mienne, comme la vôtre, a fait que on s'est intéressé à des choses au-delà de la passion qu'on pouvait avoir de la mer. Parce que quand on est passionné pour la mer, quoi de plus naturel?
Mais le plus important, c'est de faire aussi que ceux qui ne sont pas passionnés pour la mer, en tout cas la respectent. Et que ceux qui sont les décideurs ne la bradent pas, comme c'était le cas à une certaine époque. Eh bien, vous n'avez pas œuvré pour rien. Et donc aujourd'hui, vous êtes déjà sur le piédestal, hein, et c'est important de le dire. Oui, mais piédestal d'estime que l'on peut vous porter pour vous et toute l'équipe qui a permis justement cette prise de conscience. Alors moi, je le ferai à double titre aujourd'hui. Je le ferai au niveau du Conseil Général et je veux saluer aussi bien Yann que Christophe et puis d'autres qui ont aussi œuvré au sein du Conseil Général parce que vous disiez tout à l'heure, et j'ai bien connu Jean-François moi aussi quand j'étais adjoint au sport à Saint-Laurent à une certaine époque, et donc bien sûr Moana n'aurait pas fait tout ce qu'il a fait sans Jean-François, mais il y avait au Conseil Général déjà à l'époque des passionnés de la mer et des gens qui respectaient la mer. Parce que les réserves marines, ça a été une volonté politique de ce département depuis 25 ans, 30 ans. 86, la première réserve marine. Donc on a toujours l'habitude de dire notre département, pour les Parisiens, vous savez, béton, machin. Oui, oui, mais c'est 1986 qu'on fait la première réserve marine dans ce département. Et donc aujourd'hui, c'est non pas la dernière, mais celle qui est la plus récente, qui se fait à Cagnes-sur-Mer, grâce à la volonté du sénateur maire, qui était aussi conseiller général à l'époque, à Louis Nègre, qui a voulu effectivement cette réserve marine, et qu'à la poste de responsabilité que j'ai chargé de l'écologie et du développement durable, bien sûr, j'ai naturellement soutenu et défendu, comme tous les présidents du conseil général d'ailleurs, qui se sont succédé. Mais je veux rendre hommage vraiment aux fonctionnaires. La parole à Louis Nègre, donc sénateur maire de Cagnes-sur-Mer, pour la conclusion. Il y a ce soir deux choses qui me font plaisir. D'une part, le nombre de personnes qui sont là. Qui aurait pensé, il y a quelques années, que pour parler d'une réserve sous-marine, on soit une petite centaine? Bon, personne. Et la deuxième chose qui me fait plaisir, c'est que c'est un honneur, vraiment, de vous avoir parmi nous. Parce que vous, vous savez de quoi on parle. Vous savez de ce qu'est une réserve sous-marine. Et tout à l'heure, quand on parlait tous les deux, vous m'avez dit, et vous avez dit d'ailleurs devant tout le monde, est-ce que nos enfants verront encore des poissons de mer? Pourquoi y a-t-il une réserve sous-marine à Cagnes-sur-Mer? Vous allez voir. La première chose, une de mes premières décisions que je prends quand je suis élu en 95, c'est de créer une zone naturelle protégée de la Cagne entre la Nationale 7 et le bord de mer. C'était un égout. À l'époque, c'était un égout. Il y avait des rats, il y avait des ronces, il y avait des caddies, des machines à laver. Voilà ce qu'il y avait. Bon, c'était infâme. Et donc, des gros rats, oui, effectivement. Bon. Eh bien, on a tout nettoyé. J'ai appelé ça zone naturelle protégée. J'ai pris un arrêté de protection, interdiction de pêche. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ce que vous avez dit, tout simplement. En quelques années, on a vu qu'il y a, j'allais dire, une acclimatation des poissons qui sont venus s'installer. Et aujourd'hui, entre la Nationale 7, au pied d'immeubles qui vont vers plus 6, au pied du béton, vous avez des centaines, des milliers de poissons. Des petits, des moyens et des grands. Des mulets. Cagnes-Provençales, voilà. Et donc, quand ils ouvrent leur volet, Cagnes-Provençales tombe sur un paysage de rêve, c'est-à-dire sur des milliers de poissons qui sont là, magnifiques, qu'on ne pêche plus. C'est une réserve là aussi. Et maintenant, sont venus s'ajouter, par exemple, des canards sauvages qui viennent se balader. Et puis, on a des hérons. Et puis on a des aigrettes, et puis on a la vie au milieu des immeubles. Eh bien, ça a été une de mes premières décisions. Du coup, on a créé la deuxième réserve le long de la Cagne, les Bugadières. Ensuite, on a créé le comité de rivière pour sauver la Cagne. Mais ça, c'était à l'intérieur des terres. Mais alors, pourquoi la réserve sous-marine, cette fois-ci en mer? Tout simplement parce que j'ai deux filles, maintenant elles sont très grandes, mais un jour, avec ma femme et mes deux filles qui étaient grandes comme ça, en se baladant du côté de Monaco, on voit une belle plage, la plage du Larvoto. Oh, il y a du sable, les gosses, oh, on veut aller à la mer, très bien, on va à la mer. Magnifique, vous n'êtes pas bousculés, il n'y a pas énormément de monde, c'est calme, c'est Monaco. Hein? Bon,
Et puis, on arrive au bord de mer, et les gosses commencent, billes comme ça, regardent, papa, il y a des poissons. Des poissons si près du rivage, ça ne tient pas la route. Tu te trompes, ma fille. Pas du tout, il y avait des poissons gros comme ça. Pourquoi? Parce que c'est la réserve. Et on rentre dans l'eau, on est dans 20 cm d'eau, et vous avez ces poissons, mais des gros poissons, hein, pas des petits, ceux-là, qui passent là au milieu, et qui sont vraiment, qui donnent un spectacle de la nature. C'est plus les poissons en barquette que vous avez chez Carrefour ou Auchan. Hein. C'est pas les mêmes. Hein. Bon, c'est les vrais poissons. Et j'ai vu comment réagissaient mes enfants. Et j'ai dit, si un jour, j'ai le pouvoir de faire quelque chose, je le ferai. J'ai la chance d'avoir à mes côtés Lionel. Alors on était tous les deux vice-présidents au conseil général, on s'entend pas trop mal, et donc tous les deux, il était vice-président au développement, développement durable, à l'écologie, et puis on a des services tout à fait compétents, on a des plongeurs ici qui y croient, on a des gens passionnés. Albert, Hugo, passionnés. Et c'est cette passion-là aussi qui nous a beaucoup aidés. Et aujourd'hui, je leur rends un hommage public devant vous. Vous qui êtes une référence dans ce domaine, merci à Yann, merci à Christophe, merci à tous ceux qui les ont aidés. Et vous avez commencé à deux, et vous êtes maintenant 10, 15, 20 à plonger, à savoir de quoi vous parlez et à soutenir cette démarche-là. Eh bien, un très très grand merci. Parce que ce soir, c'est le succès, justement, d'une vision pour nos enfants, pour nos petits-enfants. C'est une vision de la Terre. C'est une terre, comme vous l'avez dit, une terre de paix, une terre dans laquelle les animaux doivent continuer à exister, dans laquelle les forêts doivent continuer à exister, dans laquelle sinon, si nos abeilles, vous le savez, ce qu'avait dit Einstein, c'est le jour où les abeilles disparaîtront, il ne restera pas très longtemps, nous aussi. Donc nous savons aujourd'hui quels sont les dégâts que nous pouvons commettre. Mais grâce, justement, à nos connaissances aujourd'hui, nous savons aussi ce qu'il faut faire pour réparer nos dégâts. Alors faisons en sorte, soyons intelligents, soyons des êtres humains intelligents, pensons à l'avenir, et vous êtes le plus bel exemple de gens qui ont défendu cette idée. Le monde du silence a été un énorme succès, un électrochoc pour tout le monde. Ça fait du bruit. Bon, au moins dans le landerneau médiatique, mais pour tous ceux qui ont vu le monde du silence, ils ont compris que là, il y avait une vie extraordinaire. Alors, Albert Franco, merci de votre présence ici. Merci de venir nous soutenir à travers votre présence et tout ce que vous allez faire encore ce soir pour défendre cette idée qu'il n'y a qu'une terre, il faut qu'on se la partage et qu'on le fasse proprement et intelligemment. Vous êtes un porteur, je dirais, de messages. Avec Yann et ton association et le club Moana qui est autour, que je tiens à saluer. Parce que vous aussi, vous êtes les premiers défenseurs. Nous, on plonge relativement peu avec Lionel. On fait des discours. Mais vous. Ouais. Mais vous êtes en première ligne. Vous, c'est du concret, c'est du pratique. Vous défendez concrètement. Alors nous, on s'est contenté de trouver 1 million d'euros avec le président du Conseil général, que je tiens à remercier, Eric Ciotti. On s'est contenté de trouver 1 million d'euros. Parce que ça coûte quand même 1 million d'euros, hein, dans l'autre. Bon, pour faire en sorte que demain, nos enfants, nous d'abord, et nos enfants continuent à savoir que la mer est vivante et que la mer, c'est un monde magnifique. Merci. Excusez-moi, j'allais faire une petite omission, et grâce à Christophe, cette omission est réparée. Dans le genre de mémoire qu'il faut saluer, parce que les grosses négociations au niveau administrativo-législatif et juridique se sont faites avec Titou Garzio pour la zone marine. Et Christophe, merci du rappel, parce que s'il n'y avait pas eu Titou et les pêcheurs professionnels, on n'aurait pas eu non plus cette réserve marine. Les pêcheurs professionnels.